Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séance antidouleur. Cette séance d'hypnothérapie va vous aider à apprendre à votre cerveau à défocaliser. Souvent, lorsque l'on est dans la douleur, lorsqu'on est né dans les migraines, dans une douleur chronique, on est happé, complètement omnipulé, comme si cette douleur prenait toute la place. Et parfois, il faut simplement apprendre au cerveau que la douleur est simplement un signal et qu'il y a plein d'autres apprentissages bien plus utiles que ceux de la douleur handicapante, omnibulante, à mettre en place. Vous le savez, dans un travail en hypnose, plus vous pratiquez les séances et plus les effets s'installent, durablement, profondément et sur le long terme. Ce que l'on cherche, c'est à automatiser de nouvelles choses. Un peu comme cette douleur qui s'est installée, peut-être il y a quelques mois, peut-être il y a des années chez vous, qui s'est systématisée, qui s'est automatisée si bien que vous savez quand elle est là, mais vous ne savez pas pourquoi elle est là. Eh bien, dans cet accompagnement en hypnose, on vient mettre une autre structure. Et plus vous pratiquez cette séance, plus vous utilisez ces séances d'hypnose antidouleur, plus votre cerveau va appréhender le signal de la douleur de façon différente. Et il va vous aider peu à peu à la mettre de côté, à percevoir peut-être simplement une gêne. Et puis peut-être que cette gêne va simplement s'estomper avec le temps. Pour cette séance, installez-vous confortablement, si possible allongé, loin des sollicitations. Vous devez être focus sur ma voix. Vous savez que chaque semaine, je publie des vidéos et ainsi, je ne peux que vous conseiller de vous abonner à cette chaîne pour recevoir les vidéos systématiquement. Si vous souhaitez visiter mon site internet, mon nom est Émilie Delettré. Vous l'avez dans la description. Vous trouverez les différentes indications de l'hypnose, de l'EMDR, ainsi que toutes les techniques que l'on peut utiliser pour soigner non seulement les douleurs, mais aussi pour la perte de poids, pour l'arrêt du tabac, pour soigner les traumatismes ou bien encore les phobies, etc. Installez-vous. La séance commence. Bravo à vous. Installez-vous confortablement. Vous allez commencer par fermer les yeux. Et expirez tout l'air que vous avez dans les poumons. Soufflez par la bouche tranquillement. Pour laisser une grande inspiration. Traversez les narines. Gonflez le ventre. Et vous soufflez par la bouche tranquillement. Comme si vous souffliez dans une paille, pour laisser s'échapper tout ce dont vous n'avez plus besoin. À l'inspiration, derrière vos paupières closes, à votre rythme,
Vous sentez toutes ces cellules, cet air frais qui glisse le long de votre nez. Et vous prenez conscience de cette énergie. À travers les muscles des yeux qui se relâchent. À travers les paupières. À travers les mâchoires qui se séparent pour laisser flotter la langue dans le palais. Et vous inspirez et vous expirez à votre rythme calmement. Prenez le temps, prenez tout votre temps d'observer la façon dont votre corps est posé sur la surface où il est confortablement installé. Sentez l'arrière de votre tête et le contact peut-être avec le coussin, le matelas. Visualisez tout l'espace de votre dos, la façon dont vos épaules, vos omoplates, votre colonne vertébrale de haut en bas, vos reins sont posés. Ressentez qu'à chaque nouvelle inspiration, dans votre abdomen, vos poumons, vos organes se mobilisent et vous laissez toutes les contraintes, toutes les sollicitations extérieures passées en arrière-plan pour vous concentrer sur ma voix et sur votre respiration. À chaque nouvelle inspiration, vous laissez entrer l'énergie du calme, de la tranquillité. Comme si, consciemment, vous cherchiez à faire rentrer l'espace, de la fluidité à l'intérieur. Un courant d'air agréable qui relâche tous les muscles du visage et chaque vertèbre les unes en-dessus, en-dessous des os. Jusqu'en bas du dos, à travers la jambe droite, vous sentez les muscles se relâcher, les muscles de la cuisse, du genou, de la cheville. Jusque chaque orteil et de l'autre côté, la cuisse, le genou, le mollet, la cheville et chacun de vos orteils. Imaginez que vous êtes dans un jardin agréable, à l'ombre, posé dans un transat ou dans un hamac. Il y a autour de vous une quiétude certaine. Et bien que vous ayez les yeux fermés, vous percevez la douceur autour de vous. Il y a comme une chaleur qui se dépose
agréablement sur votre peau. Et plus vous entendez ma voix, plus votre corps se relâche encore davantage. Profondément, le sommeil gagne votre corps de haut en bas. Et c'est tout à fait ok. De temps à autre, vous entendez de votre côté gauche, de votre côté droit. Au loin, des abeilles, des mouches qui passent, le vent qui s'engouffre à travers chaque feuille, des arbres fruitiers qui vous entourent. Et à chaque nouvelle inspiration, vous continuez de profiter de cet agréable moment dans lequel vous n'avez rien à faire, rien à penser, rien même à dire. Vous êtes là. Vous faites partie de ce jardin. Vous pouvez même percevoir à travers vos narines les douces odeurs d'agrumes autour de vous qui émanent du citronnier là-bas et de l'oranger un peu plus loin. Imaginez que tout en restant complètement, parfaitement allongé, confortablement installé dans votre détente, tellement lourdement installé que votre esprit peut tranquillement s'échapper, voler à quelques dizaines de centimètres de votre corps, pour aller explorer ce jardin. Laissez en quelque sorte tranquillement le corps physique s'ensommeiller davantage, sain, tout en ayant l'esprit qui voyage à travers cet environnement. Car au loin, il y a d'autres arbres. Il y a un petit ruisseau dont vous pouvez percevoir le son de l'écoulement de l'eau. Trois abricotiers, non loin de là, prêt à donner les plus beaux fruits de ce jardin. Prêt à être cueilli et savouré. Deux, et à chaque nouvelle inspiration, le corps lourd se relâche encore davantage. Et vous laissez tout ce dont vous n'avez pas besoin passer en arrière-plan pour vous concentrer sur ma voix et sur le 1. Alors que le corps est tellement lourd qu'il semble totalement impossible de soulever ne serait-ce qu'un petit doigt, votre esprit, lui, s'est déjà
échappé un peu plus loin. Il a parcouru quelques mètres. Il est allé explorer. Et de là-bas, il peut percevoir votre corps endormi, là où vous êtes posé tranquillement. Alors que cette autre partie de vous est en train de découvrir de nouvelles saveurs et la fraîcheur de ce petit ruisseau. Comme c'est agréable. Prenez trois grandes inspirations. Chaque inspiration vous permet d'être encore plus dans ce moment présent. Et à l'expiration, de profiter de la détente. Imaginez que vos deux pieds s'avance tranquillement vers ce petit cours d'eau. Et vous sentez, en touchant avec la pointe de vos pieds, la fraîcheur. La fraîcheur de l'eau. Avec vos mains, vous pouvez ramenez cette eau sur vos bras et sentir ce doux moment agréable de fraîcheur sur votre corps. Et alors que vous prenez de l'eau à travers vos deux mains pour vous rincer le visage, ressentez un profond soulagement, encore plus profond, encore plus perceptible. Cette température est la température se sentir bien. Pour se relaxer encore davantage. Et alors que cette fraîcheur glisse sur votre front, sur la racine de vos cheveux, tout votre corps continue à se détendre agréablement. De plus en plus et de mieux en mieux. Alors vous vous posez à côté de ce petit cours d'eau. Vous observez le roulement tranquille des petites pierres. Portez votre attention précisément sur un endroit. Vous choisissez l'espace que vous préférez. En face de vous, dans ce cours d'eau.
et vous commencez à observer la lumière qui traverse l'eau, qui se reflète à travers cette toute petite profondeur. Vous percevez la couleur et les formes différentes de tout petits cailloux qui ont déjà parcouru beaucoup de chemin. Bravo. Et qui continuent de parcourir leur chemin un à un, à descendre cette rivière tranquillement. Peut-être qu'il y a de temps en temps de tout petits poissons qui traversent cet espace. Et puis la feuille des arbres qui se pose délicatement et qui suit à la surface de l'eau son propre chemin. Et tout le monde va dans la même direction, à un rythme différent. Certains semblent connaître le chemin, et pour d'autres, le chemin peut sembler plus maladroit, la trajectoire un peu moins évidente. Mais ce qui est certain, c'est que chaque petite pierre, chaque petite feuille, chaque petit poisson qui passe par là, ne reste pas, il ne fait que passer. Imaginez que à travers cet espace, des millions déjà, peut-être des milliards, sont passés de petites pierres, de petites feuilles. Sans que personne ne se pose jusqu'alors la question: réellement de les observer comme vous le faites. Comme c'est agréable ce moment suspendu du temps. Pour prendre tout l'espace. Tout ce temps. De profiter de ce qu'il y a autour de soi. Imaginez maintenant que vous dézoomez cet espace, que vous levez peu à peu votre visage vers le ciel. Que vous percevez ce bleu qui s'étend autour de vous. Alors que vous apercevez quelques nuages au loin, vous plaisantez sur leur forme. Un peu comme si
vous pouviez y voir quelconque forme rigolote. Et vous continuez de percevoir les bruits, les sons qui vous entourent, à travers les odeurs, à travers la fraîcheur sur votre visage. Toutes ces sensations agréables. De faire partie de la nature. D'être un peu à l'intérieur d'un espace, tout en appartenant à la matière. De faire partie d'un environnement constitué de milliards d'autres parties qui elles-mêmes se régénèrent. Imaginez qu'il y a quelque temps, peut-être plusieurs dizaines d'années, centaines d'années, ce ruisseau à côté de vos pieds n'avait pas la même forme, n'avait pas la même trajectoire. Mais il avait la même fonction. Et il est toujours là aujourd'hui. Peut-être que des bras se sont constitués en amont ou bien plus loin. Ce qui est certain, c'est que tout évolue avant que ne poussent ces trois abricotiers. Il y avait à la même place un grand noisetier. Et peut-être des années encore avant, il y avait peut-être un palmier. Les choses se transforment comme toute chose vivante à l'intérieur de nous et à travers cette nature qui évolue. Inconscient, j'aimerais que tu visualises une façon simple, accessible, de transformer quelque chose. Pour que le bien-être apparaisse plus facilement. Pour que cet état d'esprit positif, optimiste, surgissent
facilement au jour le jour. Imagine simplement que dans le quotidien, il se passe quelque chose de différent. Cela peut être vraiment pas grand-chose, un tout petit changement qui permet de pousser l'évolution. Comme lorsqu'on l'on tape dans une bille. De lancer quelque chose de différent. De transformer son intention. Prends le temps inconscient de visualiser cela. Peu à peu, j'aimerais que tu prennes le temps de revenir à l'intérieur du corps endormi pour intégrer ce nouvel apprentissage. D'autoriser à ce corps, cette matière alourdie par le sommeil, d'intégrer le corps et de visualiser, de ressentir à travers ce changement profond qui s'installe. Ressens ce bien-être à l'intérieur, cette liberté qui naît à travers chacune des cellules, qu'il est bon de pouvoir reprendre le pilotage de quelque chose d'important. Au service de sa vie, au service de son évolution, au service de son épanouissement. Prenez 5 grandes inspirations et expirez par la bouche. Laissez confortablement votre esprit structuré, intégrer
cette séance. Et naturellement, plus vous pratiquerez cette séance et plus les effets s'installeront durablement. Bravo pour ce formidable travail que vous faites pour vous. Prenez le temps de reprendre contact avec votre corps physique qui peut maintenant sortir de son sommeil si vous en avez envie. Prêtez attention aux bruits extérieurs, à ma voix qui se fait plus forte et tranquillement. Vous allez pouvoir revenir sur le 1, 2, 3, 4 et 5. Vous prenez une inspiration profonde. Et à l'expiration, quand c'est le bon moment, vous ouvrez les yeux. Tranquillement. Redécouvrez l'espace qu'il y a autour de vous et remerciez-vous pour ce chemin, cet agréable voyage à l'intérieur de vous. Dans ce jardin.